Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 8 de Fortnite saison 3 chapitre 3. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et le premier défi va vous demander de détruire 5 structures avec un seul tir de lancer. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici, donc regardez, je vais vous montrer ça. Donc juste ici au-dessus de Logjam Lotus, vous avez une petite scierie, un bâtiment qui est la scierie de Logjam. Ce que vous faites, c'est que vous rentrez par ici et là, vous allez voir qu'il y a des lancis qui sont accrochés au mur. Donc vous vous équipez de un ou deux lancis, peu importe. Normalement, avec un lancis, vous avez assez parce que vous avez 12 lames dans votre lancis. Et ensuite, ce que vous allez faire avec cette arme, quand vous en avez une, c'est de détruire 5 structures en un seul tir. Donc 5 structures, ça peut être n'importe quoi, hein. Genre la caisse là, c'est une structure, les tables là qui sont à un côté de l'autre, enfin les armoires qui sont à un côté de l'autre, c'est des structures, les boîtes en carton, c'est des structures, tout ce que vous voyez, c'est des structures. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre juste ici, derrière la caisse en bois, et là, vous allez tout simplement tirer, et vous allez voir que ça va détruire toutes les structures. Donc regardez, ça détruit tout sur son passage. Et là, vous aurez terminé le défi. Ou alors, vous vous mettez carrément ici et vous lancez votre lancis. Voilà, vous tirez. Regardez, ça détruit tout sur son passage. Hein. Hop, hop. Les deux armoires. Encore le mur là. Le petit poteau en métal. Voilà, ça détruit vraiment, vraiment tout. Il faut juste aligner plusieurs objets un derrière l'autre. Ensuite, vous tirez une scie. Et là, ça détruira plus de 5 objets. Et vous aurez terminé le défi. Vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de faire danser les adversaires avec des bombes Boogie Woogie. Alors, déjà, les bombes Boogie Woogie, vous allez pouvoir les trouver un peu n'importe où sur Fortnite. Vous pouvez les trouver posées au sol comme ceci. Il y en avait une, je crois, en haut du bâtiment. Et vous pouvez aussi les trouver dans des coffres. Si vous avez du mal à en trouver, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de prendre un chasse-pierre et de le lancer sur un véhicule. Et là, vous allez détruire tout simplement la base d'un bâtiment. Pour faire tomber tous les objets que le bâtiment détient. Donc là, regardez, je vais détruire toute la base de ce bâtiment-là. Et ça va me faire tomber tous les objets qui sont à l'intérieur. Évidemment, il ne faut pas que je retourne le véhicule, sinon ça ne va pas le faire. Donc regardez, hop, je détruis tout ça. Là, il manque tout. Dès que vous détruisez la base du bâtiment, le reste du bâtiment se détruit. Donc regardez, il y a tout qui se détruit. Ensuite, quand tout est détruit, ben, tous les objets tombent à terre. Et là, ben, vous avez juste qu'à chercher des boogie dunks. Des boogie woogie. Alors, des boogie woogie. Là, j'ai pas eu de chance. Parce qu'il n'y en a pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire ce bâtiment-là. Pour essayer d'en trouver d'autres. Enfin, pour essayer de trouver des boogie woogie. Ok, donc regardez, là, je viens de trouver des bombes boogie woogie. Donc, parfait. Donc vous vous équipez de ces bombes et là ce que vous allez faire c'est tout simplement faire danser un adversaire. Trois adversaires. Donc vous cherchez après un adversaire et vous le faites danser. Donc il faut savoir, voilà j'ai raté en plus. Essayez de bien viser parce que vous en avez qu'un stack de deux. Et je trouve qu'ils sont quand même galères à trouver. Surtout que là j'en ai plus de disponibles et pourtant j'ai cassé un putain de gros bâtiment. Donc voilà, vous allez devoir faire danser 3 adversaires pour terminer le défi. Alors il faut savoir que normalement ça devrait fonctionner contre les Stormtroopers là, de Star Wars, donc les bots, des bots ennemis. Et ça devrait fonctionner aussi contre les loups et les sangliers. Donc si vous voyez un loup, n'hésitez pas à le faire danser avec votre bombe Boogie Dance. En plus ce qui est bien c'est que s'il y a 3 loups un à côté de l'autre, avec une seule bombe Boogie Woogie, et que vous le faites danser les 3, ben, normalement vous devrez terminer le défi. Mais dès que vous allez faire danser 3 adversaires ou 3 loups ou 3 sangliers ou 3 bots adverses, ben, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander de lancer un poisson à l'eau. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre
Hop. Juste ici sur le gameplay, donc à la bamboche, donc à côté de la bamboche, sur cette petite île, vous avez des cannes à pêche obligatoirement que vous allez pouvoir trouver dans des tonneaux de pêche juste ici. Donc regardez, hop, vous cassez le tonneau et là vous obtenez une canne à pêche. Donc grâce à cette canne à pêche, vous allez pouvoir pêcher des poissons. Donc regardez, il y a des coins de pêche juste ici. Vous pêchez là où il y a des coins de pêche, hop. Dès que ça mord à l'hameçon, vous tirez et là vous pêchez un poisson. Ce que vous allez devoir faire ensuite avec ce poisson, c'est tout simplement le relancer dans l'eau. Donc voilà, vous le relancez dans l'eau et comme ça, ben vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec une arme obtenue en pêchant. Donc moi, ce que je vous conseille pour réaliser ce défi, c'est de venir ici à la bamboche, donc juste ici, là où il y a une île. Ensuite, vous allez pêcher, enfin essayer d'obtenir une arme, une canne à pêche dans des tonneaux de pêche que vous voyez ici. Donc vous cassez le tonneau de pêche, ensuite vous avez vu, il y a trois cannes à pêche, il y a un autre tonneau de pêche là-bas. Mais dès que vous avez votre canne à pêche, ce que vous allez devoir faire, c'est de lancer votre hameçon dans l'eau jusqu'à temps de pêcher une arme. Donc vous lancez plusieurs fois votre hameçon dans des trous de pêche jusqu'à temps d'obtenir une arme. Donc hop. Voilà, on va continuer. Ça fait 3 poissons que je pêche. Normalement, je vais pas tarder à pêcher une arme. What? C'est en illimité ou quoi? C'est nouveau ça? Ok. Donc là, ça va pas fonctionner. Donc je vais tout simplement à un autre coin de pêche. Et après, vous pouvez aussi pêcher pour avoir peut-être plus de chance hors des coins de pêche. Donc vous pêchez comme ça, n'importe où, dans l'eau. Et il y a peut-être moyen que vous trouviez une arme plus facilement. Je ne sais pas. Regardez, voilà, parfait, j'ai obtenu une arme. Dès que vous avez obtenu une arme en pêchant, vous vous en équipez. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à un adversaire. Donc, soit vous faites des dégâts aux adversaires, soit vous faites des dégâts contre les requins, soit vous faites des dégâts contre des lamas, ou soit vous faites des dégâts contre des bots adverses. Ah oui, et vous pouvez aussi faire des dégâts contre des loups ou des sangliers. Donc, dès que vous avez pêché votre arme avec votre canne à pêche, ben, vous infligez des dégâts à n'importe qui des adversaires que je viens de vous citer. Et là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts explosifs tout en détournant le regard. Donc, pour réaliser ce défi, il vous faudra des objets explosifs. Donc, pour ce faire, soit vous utilisez des grenades, soit vous utilisez le pistolet feu d'artifice, parce que regardez, quand vous allez tirer avec le feu d'artifice, ça va faire une explosion, et normalement, vous pouvez infliger des dégâts avec cette explosion. Et vous pouvez aussi utiliser des pompes à essence ou des bidons d'essence, ok? Donc, quand vous avez un objet d'explosif, ce qu'il vous faudra, c'est un adversaire, soit un adversaire, soit, par exemple, vous pouvez faire ça contre les gardiens, les gardes de Star Wars, enfin, de Dark Vador, ou vous pouvez faire ça aussi contre les loups ou les sangliers. Donc, ce que vous allez devoir faire, quand vous avez le loup ou le sanglier, c'est tout simplement infliger des dégâts explosifs sans regarder. Donc, regardez, là, je vais tirer avec mon feu d'artifice, hop, je regarde pas. Et là, regardez, vous voyez que ça a infligé des dégâts. Mais bon, là, il n'y a pas d'adversaire, donc ça ne fonctionnera pas. Mais il vous faut au moins un sanglier ou un loup, ou peu importe. Et ce que vous allez faire, c'est tirer sur le sanglier, sur le loup. Regardez, là, j'ai un sanglier. Ou sur l'adversaire, hein. Je vais tirer sur le sanglier, je ne regarde pas. Et là, regardez, j'ai infligé 62 dégâts avec mon feu d'artifice. Ok, donc sur l'explosion, hein, il faut que l'explosion inflige des dégâts au sanglier. Ou alors vous lancez une grenade, mais il ne faut pas que vous regardiez. Hein. Il faut vraiment détourner le regard, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc là, le sanglier s'est barré. Je crois qu'il y en avait un deuxième quelque part. Non, il n'y en a pas. Donc regardez, on va le faire sur un adversaire. Hop, on lance une grenade, même deux. Vous ne regardez pas. Dès que ça a explosé, vous regardez et là vous avez vu, j'ai tué le garde de l'IO. Il faut vraiment que pendant l'explosion, vous ne regardez pas et que vous infligez des dégâts. Si vous regardez pendant l'explosion, ça ne fonctionnera pas. Donc vous lancez une grenade, vous ne regardez pas. Dès que ça explose, vous aurez, si vous touchez l'adversaire, ou le sanglier, ou le loup, ou le garde de Dark Vador, là vous aurez réalisé le défi parce que vous aurez infligé des dégâts sans regarder à un adversaire. Donc voilà, quand vous aurez fait ça, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander de trouver le joueur le plus cool de l'île.
Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici à Connect Crossword. Voilà, juste ici. Alors, je vois pas pourquoi tu me tires dessus toi mon pote, mais bon, à l'aise. Et ensuite vous allez tout simplement rentrer dans les bâtiments, voilà, dans les maisons. Et vous allez chercher la salle de bain. Donc regardez, là il y a une salle de bain et là il y a un miroir. En fait, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous placer devant ce miroir. Et là vous voyez, il y a mon reflet. Et là, le joueur le plus cool, bah, tout simplement, c'est moi-même, parce que, bah, voilà, c'est moi-même, tout simplement. Donc, vous vous mettez devant le miroir et vous vous regardez. Donc là, le problème, c'est que bah, c'est un miroir divisé en deux. Donc, je ne sais pas si ça fonctionne sur celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir, ok, dans une autre maison. Ok, donc là, je vais voir dans la maison qui est juste à côté. On va voir si dans cette salle de bain, il y a un miroir normal. Ok, non, il n'y a pas de miroir normal. Donc ça me... J'hésite, hein, j'hésite. Parce qu'en vrai, si je vous montre ces deux maisons-là et que ça fonctionne pas avec le miroir, vous allez me dire que c'est du fake. Donc je vais essayer de chercher un miroir normal et vous montrer l'emplacement. Donc je vais aller voir dans cette maison-là. S'il n'y a pas, je vous montrerai un autre emplacement. Ok, donc je me suis rendu à Tilted Tower, au bâtiment où il y a les deux L, donc juste ici. Et regardez, quand vous allez entrer dans la salle de bain qui est juste là, vous allez voir qu'il y a un miroir. Un miroir complet. Donc ça, c'est un miroir complet. Donc c'est obligé que qu'avec ce miroir-là, ça fonctionne. Dès que vous allez vous regarder dans le miroir, normalement, ça validera le défi. Parce qu'en fait, tout simplement, le joueur le plus cool de l'île, ben, c'est vous-même, les mecs. Donc quand vous vous regardez dans le miroir, normalement, ça validera le défi. Donc vous avez juste à vous placer devant. Au pire, vous faites une petite émote peace and love comme ceci. Et là, logiquement, ça devrait valider le défi. Et dès que ce sera fait, ben, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à un adversaire avec un véhicule dans les 5 secondes après avoir klaxonné. Donc pour ce faire, vous allez tout simplement devoir trouver un véhicule. Alors pour klaxonner, il est marqué à gauche de l'écran. Regardez, il est marqué appuyer sur flèche du bas pour klaxonner. Donc là, quand j'appuie sur flèche du bas, ça klaxonne. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger dans les 5 secondes après avoir klaxonné des dégâts avec votre véhicule. Donc vous klaxonnez, ensuite vous foncez sur l'adversaire pour lui infliger des dégâts. Ou alors... Tout ce que vous faites, c'est que vous klaxonnez, vous sortez du véhicule et vous infligez des dégâts dans les 5 secondes à l'adversaire. Donc là, regardez, je fais flèche du bas, je klaxonne, ensuite je sors de mon véhicule et j'inflige des dégâts à l'adversaire pour terminer le défi. Donc ça fonctionne, vous pouvez infliger des dégâts aux adversaires, vous pouvez infliger des dégâts contre les loups, les sangliers, les lamas et même les requins. Donc si vous voyez un de tout ça dans les environs, bah, n'hésitez pas à réaliser le défi avec cela. Ça peut même fonctionner contre les gardes de Dark Vador. Et dès que vous aurez infligé un de dégâts, même un seul point de dégâts à un adversaire dans les 5 secondes après avoir klaxonné, bah, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, les deux prochains défis sont des défis de secours. Et le premier défi va vous demander de ramasser de la nourriture. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Greasy Groove, donc juste ici sur le gameplay. Voilà, donc ensuite vous rentrez par la porte de derrière et vous allez voir qu'il y a de la nourriture dans des boîtes de nourriture. Donc ce que vous faites, c'est que vous ouvrez ces boîtes de nourriture et ensuite vous ramassez la nourriture qui est posée au sol. Donc regardez, il y a une boîte ici, donc au total ici il y a déjà deux boîtes. Ensuite vous descendez encore plus bas, vous allez dans le sous-sol et dans le sous-sol vous allez voir qu'il y a encore plusieurs boîtes. Donc il y a quatre boîtes. Donc ce que vous faites, c'est que vous ouvrez toutes les boîtes, ensuite vous ramassez, ah non, il n'y a que trois boîtes, je croyais que ça c'était une boîte, mais non. Vous ramassez toute la nourriture posée par terre, donc il vous faudra juste ramasser trois nourritures pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à plus de 30 mètres avec un fusil d'assaut. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement déjà trouver un fusil d'assaut. Donc un fusil d'assaut, il est marqué, hein, de toute façon, là j'ai un fusil d'assaut Hammer par exemple. Ok, donc quand vous avez votre fusil d'assaut, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger des dégâts à plus de 30 mètres. Alors il faut savoir que pour infliger des dégâts, ça fonctionne contre les loups, ça fonctionne contre les sangliers, ça fonctionne contre les gardes de Dark Vador, ça fonctionne contre les lamas et contre les requins. Et bien sûr, bien entendu, contre les adversaires. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de pinguer là où il y a l'ennemi. Donc là par exemple, s'il y a un ennemi là, il faut que je ping pour savoir si je suis à plus de 30 mètres ou moins de 30 mètres.
Donc c'est, dès que vous voyez que vous êtes à plus de 30 mètres, donc là par exemple le loup il est à 90 mètres, bah, tout simplement vous infligez des dégâts à l'adversaire. Donc si c'est un adversaire, hein, pareil, vous prenez votre fusil d'assaut, vous pinguez l'adversaire, voilà, il est à 46 mètres, donc c'est parfait. Vous infligez des dégâts à l'adversaire, voilà, comme ceci. Et dès que vous aurez infligé 102 dégâts à l'adversaire, ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 8 de Fortnite saison 3 chapitre 3. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.